يا ما يصفون الصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une séance de prière et de bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le développement de la région du Kabadou. Des moments spirituels pour sceller l'union de tous les enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire, afin qu'ils s'engagent tous pour la politique de développement de la région. Pour l'occasion, tous les guides spirituels se sont retrouvés aux côtés du cher El Hadj Makin Bouaké Samassi, afin d'intercéder auprès d'Allah pour que le district du Dengélé puisse amorcer véritablement son développement. L'initiative est des cadres de la région qui veulent désormais impulser une nouvelle dynamique à la région du Kabadougou. Assurer une plus grande cohésion au niveau du district et surtout de donner le cap du développement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des différences entre les cadres, les populations. Il s'agit aujourd'hui de transcender ces différences pour qu'effectivement on se consacre au développement. Et je me réjouis du fait aujourd'hui que l'ensemble des cadres aient compris ce message et qu'aujourd'hui nous soyons unis. C'est par le village de Dabadougou, lieu de retraite spirituelle du cheikh El Hadj Daba, dans le département de Madinani, qui a démarré cette semaine de prières et de bénédictions, dont l'apothéose a eu lieu à la grande mosquée d'Odiéné. Une rencontre qui sera désormais une tradition pour les enfants du Kabadougou, afin de faire de leur région un élément essentiel pour l'émergence de la nation ivoirienne.